Salut à tous, c'est Peto. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on teste un restaurant inconnu. Que dis-je, restaurant? Un fast-food inconnu en France. Il devrait sûrement arriver. Il compte pas plus de 150 restaurants en Europe, dont l'Espagne en fait partie. Je vous montre l'affiche. C'est The Good Burger. Donc moi, j'y suis jamais allé personnellement. Là, c'est un premier test, un premier jet du coup de qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils vont faire. Donc forcément, ils font des burgers. Leur carte, elle est plutôt simple. Les prix sont très raisonnables. Donc là on a pris un menu complet, donc burger, donc c'est pas le XL, c'est un burger barbecue, c'est le barbecue burger avec du coup les top fries, donc le patatas, un patate, potatoes avec frites, patatos avec bacon et cheddar. Et ensuite en dessert j'ai pris un tiramisu en glace et madame a pris un shaker au chocolat, donc on en a eu un total de 12 €. Raisonnable. Après j'espère que la taille, on va voir la taille, donc on va voir la taille à quoi ça correspond, mais ça a l'air plutôt pas mal. Donc là on devrait être livré d'une minute à l'autre. Et voilà, donc tout ce qui est décoration et tout, c'est vachement beau, c'est vachement design. Je vous montre un petit peu, c'est plutôt pas mal. C'est style un peu hipster, un peu moderne, ancien, avec des fleurs, cactus, tout le bordel. C'est vachement beau, moi je kiffe. Ceux qui connaissent, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu, le commentaire. Dites-moi si vous êtes déjà allé manger dans The Good Burger ou TGB comme ils disent ici. Et donc voilà, on se retrouve tout de suite avec les menus. Ça devrait sonner. On a le petit beeper pour recevoir la commande. Et puis donc on va, dès qu'on reçoit ça, on débourse ça et je vous fais la présentation du tout menu. C'est parti, à tout de suite. On vient de recevoir la petite commande. Présenté aux petits oignons, je vous fais le tour vite fait. Donc là nous avons le burger barbecue, là le tiramisu pour le dessert, le shaker pour madame, et là on a les top fries bacon. Excellent, ça part tout de suite en dégustation. C'est parti, on va poser ça bien sûr. Déjà incorporé, il n'y a pas besoin de mettre la musique, le fond est juste magnifique. Je vais venir tourner des vidéos ici tous les jours, c'est juste sublime. Tout ça, là je vous montre ça, les petites, je règle ça, j'ai dégueulassé la caméra. Top freeze. La vidéo des top freeze de McDo est disponible ici, donc n'hésitez pas à cliquer pour aller la voir. Donc c'est bien présenté, hein. Petit plateau en aluminium. Les fourchettes pour venir piquer la bouffe. Et bien sûr là, le burger présenté à l'américaine dans un sachet plastique. Et la miniature, maintenant on va déguster le burger. Bon, on arrête de se faire verser. Oh, le petit pain. Merci, marqué sur le burger. Ouais. Le burger. Même le pain est signé TGB quand même. Donc là-dedans, on a sauce barbecue, steak haché, oignon grillé, bacon, sauce barbecue, petit pain, oignon normal, et c'est parti. Par contre, c'est juste excellent. Les oignons, ils sont chauds, ça sort de la friture. Là on est à Castellón en Espagne, dans un centre commercial, mais c'est excellent, c'est... Regardez-moi ça là. Je mets... Ah, bon 10 sur 10 hein, je pense. Hein. J'ai jamais mangé de burger aussi bon.
Sérieux. Ouais, des oignons. Elle m'a tout bouffé. J'ai jamais mangé un burger aussi bon dans un fast-food, hein, vraiment. Je vous le remontre, hein. Peut-être comme ça. Un peu petit en taille, mais réellement quand on les mange avec des petites frites, ça va passer nickel. Quand on a une petite faim, ça porte bien son nom, The Good Burger. Si vous avez l'occasion d'en goûter, franchement allez-y, hein. Les yeux fermés, c'est vraiment excellent. Le pain il est un peu brioché là, c'est excellent. Fermez tout, frites. Je sais pas, c'est un peu bizarre là. Regardez-moi cette belle frite là. Remplie de cheddar. À l'américaine les gars. Il n'y a personne. Faut leur faire de la pub parce qu'ils sont vides les gars. Oh merde. À côté McDo Burger King, c'est pipi de chat. En termes de goût, de qualité du produit, là il n'y a pas photo. Là, on est sur des hamburgers, on dirait presque des hamburgers fait maison, traditionnels. C'est vraiment excellent, excellent, rien à voir avec les autres fast-food. Ça c'est le best one de fast-food, c'est vraiment aux petits oignons. Et d'ailleurs c'était rempli d'oignons, excellent, excellent, j'adore, je dis ça. Et on passe tout de suite au dessert, ok. Burger 10 sur 10, les frites, il y avait un petit goût sucré, donc je sais pas si c'était du bacon qui avait caramélisé dans le coca, comme dans ma précédente vidéo TikTok, juste là. Et donc là c'est parti, on va passer tout de suite. Dessert, j'ai pris un tiramisu. J'ai tout fait tomber par terre. J'ai pris un tiramisu comme ça. Allez, on y va en route. Je vais mettre le plateau pour récupérer toutes les miettes. Regardez-moi ça. Même ça, un tiramisu comme ça, 2 euros. Ça me rappelle le prix des soldes du McDo. Avec Remigio ici on fait une méga dégustation, c'est TGB. Je sais pas si vous m'entendez bien, on a le haut-parleur qui est juste au-dessus. Voilà, 200 pouces bleus, méga dégustation avec Remigio. N'hésitez pas à vous abonner et mettre un commentaire, ça fait toujours plaisir. De rhum.
pas mal, hein, comme endroit vraiment très bon à recommander. Hein. Ce n'est pas simple burger de fast-food. Les burgers de grands chefs, vraiment élaborés. Uniquement le burger 4,90€, les frites 2,50€, l'eau c'est compris dans le menu donc c'est gratuit, le tiramisu 2€ et le shaker 2,50€, on arrive à un total de 12,40€, c'est vraiment pas cher. Bon, écoute, on fait le point tout de suite. Hop là. Donc, petit point sur TGB. Ça ressemble à ça à l'intérieur. Ouais, je vous refais voir vite fait. TGB, The Good Burger. Très bon burger, excellent, 10 sur 10. L'eau minérale, 10 sur 10. Le tiramisu, je mets un petit 8 sur 10, parce qu'il y avait vraiment un goût d'alcool très prononcé. Les frites. Je vais mettre un 7 sur 10 sur les frites. On n'est pas ici pour manger des frites, on est là pour manger un gros burger de sa mère et c'est vraiment excellent. Franchement, à recommander, très bonne adresse. Hein. Si vous passez en Espagne, n'hésitez pas à aller chez TGB The Good Burger. Et puis voilà, c'était un plaisir de faire cette petite vidéo pour vous. N'hésitez pas à vous abonner, mettre le pouce bleu, le commentaire et activer la cloche en bas. C'est très important. Et moi, je vous dis à très bientôt. C'était Peto et surtout, n'oubliez pas, Big Biceps!